Et bonjour, internautatrices et internautateurs. Nous retrouvons le clan du Cygne installé à Galdenbourg, qui se développe, qui s'étend. J'attends toujours mes deux escouades mécanoïdes qui vont bientôt venir me kikiner. Tiens, là, il fallait que je brûle mes corps, j'avais zappé ça. Alors, incinérer un corps que tu vas répéter en boucle, mais uniquement. Alors, avec les corps pourris d'humanoïdes, mais pas les colons. Les colons, on va les enterrer si jamais il y en a qui meurent. Cadavre humain. Voilà, pourri et frais. Tu brûles. Et également les carcasses d'animaux. Alors non, pas les carcasses d'animaux, parce que je ne veux pas détruire les carcasses d'animaux fraîches. Ça, je décoche. Voilà. Papillote, ouais, bah, tu peux essayer de convertir, mais je ne suis pas sûr que ça va être très efficace. Tiens, ça, tu me construis, histoire que ça se casse pas la gueule. Ce serait même assez urgent, en fait. Ardarine, où es-tu, Ardarine? Tu es là. Bah, oui, forcément, puisque je t'ai dit de prioriser le ramassage des ressources. Louri, tu démontes une commode. Okay. Tu vas en priorité. Donc j'attends mes saloperies mécanoïdes là. Voilà. Donc ça peut me servir parce que là j'ai quand même fait un gros trou. Et ça risque quand même de se casser la figure à un moment. Donc Célestine, t'es pas jouasse. Eh ben, rentre à la maison. Hop, va te coucher. Toujours en train de se sevrer d'ambroisie. 88%. Hop. Ça, c'est quasiment prêt. Hop. La couche de Baldwin peut disparaître. Tac. Ouais, je serais content d'avoir du tissu en fait. Hein. La saison de culture commence maintenant. Là, ce serait bien si vous en occupiez. Je sais que Toshiro n'a pas d'arme à distance. Je suis au courant. Ok, bon voilà, donc ils m'ont brûlé tous les cadavres, c'est très bien. Comme ça évite de risquer d'avoir une sale appréciation. Ça, on interdit. Ça, on interdit. Toshiro, pourquoi t'es pas jouasse? Ouais, pas de conquête, mais ça. Ah ouais, carrément. Ah. Oui, c'est. Je sens que ça va être tendu de. Ah, c'est. Mon riz est enfin récolté. Ouais, j'ai globalement un moral qui est pas ouf. La recherche avance.
C'est une bonne chose. Oh, 1,9 de résistance, ça va bientôt être bon. Ouais, donc toi, tu as piolet et poivre. Hop. Ça, c'est pour quand on va arriver. 204 blocs de calcaire. Mon Toshiro. Splendeur 40, 43. Donc, je suis sûr que ça n'y va pas. Ah non, ça va un peu mieux. Et Célestine, elle n'est pas jalouse. Non, c'est bon. Je m'en fous. Alors, étincelant de construction. Tac, les hommes zénistes se rappellent. Un site de chasse. Dans lequel je trouverais quoi? Du cuir de dromadaire du pemmican. Alors, qu'est-ce que c'est que cette quête-là? Une grosse construction. Ouf. Ouais. Ouf. 78 jours. Oh là 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 là. Pourquoi mes rêves sont propres? L'histoire ne dit pas si c'est qu'elle est très mince ou très grosse. Mais. N'importe quoi. Donc si jamais une de ces parties est détruite, le système de répression s'activera un drone psychique. Moyen, bon, c'est pas dramatique comme... Bon, c'est chiant, mais... Bon, ce qui est chiant aussi, c'est que je me sens un peu coincé tant que j'ai pas la quête là qui avance pour la dinde. Ça me saoule un peu. C'est combien de temps? La dinde fière navette dans 7,4 jours. Bon, tout ce temps, le problème, c'est que si je me fais attaquer, ben, j'ai besoin d'avoir tout le monde à la maison. Et que pour l'instant, ben, je peux pas trop. Je suis un peu coincé. C'est chiant. C'est chiant, chiant, chiant. Allez, on va partir sur une chambre de plus. Onyx ou Abo. Pas grand-chose, ça. J'aimerais bien, hein, dans l'absolu. Hop, sauf. Les vents murales. À vérifier de temps en temps, c'est qu'il n'a pas fait trop de mouise. S'il a typiquement, c'est les trucs où il y avait des pousses ambroisies à un moment ou un autre qui rajoutent en zone de base. Oui, là, comme d'hab, ce qu'il m'en reste de l'ambroisie là, oui, là il en reste plus, donc je peux l'enlever. Là, il en reste, tiens, fais gaffe. Pousse d'ambroisie, bah tiens, ça faisait longtemps. Justement. Quête disponible. Protection des ennemis. Hop. Celle-ci, je peux la virer.
Alors, pousse d'ambroisie, où est-ce que t'es poussé l'ambroisie? J'ai jamais eu de colonie avec autant d'ambroisie. Et donc sur celle-ci, comme d'hab, tu m'autorises pas les semis et tout le team. Là, hop, je veux pas que tu me fasses d'entretien. Sur ces zones-là. Par contre, ici, c'est nécessaire. Si jamais mon mur est endommagé. Ok. Alors, protection des amis. L'étincelle en construction, franchement, j'ai pas autant de ressources à mettre là-dedans, même si c'est plutôt intéressant ce qu'ils proposent. Il y a quand même vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources et j'en ai pas suffisamment. Alors, protection des amis, chef de l'atelier a récemment secouru trois indigènes des enclos d'une ruche mécanoïde. Il faudrait que je les garde pendant 16 jours jusqu'à ce que je puisse envoyer une navette pour les récupérer. Les mécanoïdes, deux mécanoïdes. Bon. Qu'est-ce que je peux gagner? Des composants. Wow, 9 composants avancés. Pack d'orso. Ça aussi, c'est pas mal. 3 indigènes. Bonne entente. Pour l'instant, j'ai zéro de relation. Neuro-entraîneur. Pour la sociabilité, donc ça permet de booster la sociabilité. 9 composants lancés, ça c'est plutôt sympa aussi. Moi j'ai jamais eu de patte d'orso encore. Allez, une escouade de mécanoïdes, tac. Alors, où est-ce que je vais les mettre? Je vais les mettre pour l'instant ici. Hop. Hop. Et hop. Et toi, je vais t'affecter ici pour l'instant. Bien. Donc eux sont arrivés. Il faut que je les gère là aussi. Ah oui, puisqu'en plus ils vont bosser pour moi. Huit en médecine, c'est pas mal. Je vais juste avoir besoin d'encore plus de bouffe. Le drame. Bah ça tombe bien. Hop. Alors, toi, tu sers à quoi? Tu sers à tirer plantation. Hop. Et toi, ours, mineur et chercheur. Vous allez vous aligner sur. Oh, c'est vraiment le grand n'importe quoi, les idéologies chez moi. Un melting pot. Mineur, et ben tu vas miner. Hop. Et ton job, ça me convient tout à fait. Miner, c'est ici. Tac. J'ai besoin de calcaire. J'ai besoin de calcaire. J'ai besoin de calcaire. Petite musique entraînante. J'ai besoin de gens qui transforment mes cailloux aussi. En artisan, normalement, j'ai de quoi.
Célestine qui est artisane en chef. Et puis on se là. Bon, je recommence à avoir un peu de bouffe. Ça tombe bien. Là, on arrive au bout. Alors, oui, ben bah, voilà, je me retrouve avec deux fonctions. Premier mangeur spirituel. Nouvelle recrue Roro. Ah. Alors là, tu veux ours, tu vas venir ici finalement. C'est ce que j'avais prévu. Alors Roro, on va tout de suite te renommer. Tu seras Zikino. Roro est à... Ah oui, c'est mon intello, pyromane. Bah bravo. Bravo Zikino. Zikino, pyromane, traînard, douillette. Donc, toi tu vas clairement être ma chercheuse en chef. Zikino, hop, tac, tac. Et limite, tu vas pas faire grand chose d'autre. Si joli, c'est pas mal quand même. Dresseur, cuisine, non. Chasse, éventuellement. Forestier, ouais, t'as 3 de compétences. Je vais mettre en 3. De toute façon, ta prio, ce sera toujours de faire de la recherche. Ça, je pourrais l'installer aussi gestionnaire, mais je ne le fais pas. Encore un jour, peut-être. Un jour, mon prince viendra, comme disait Blanche-Neige. Chasseur, ok. Donc, du coup, comme j'ai 3 mangeurs sanglants, eh bien, il faudrait que... voilà. J'ai 3 spiritistes de la faction. C'est tout pourri. Je voulais avoir des technologistes. Et ben, mon série s'appelle quand même les Techno Women. Et ben, les Techno Women, elles sont toutes nulles. Enfin, elles sont inactives. Ben alors, elles n'ont pas de tâches à accomplir. Ah, parce qu'elles sont chez moi, mais elles ne bossent pas. Formidable, Toshiro. Bah si, normalement, on devrait bosser. Non? Ou alors, ils peuvent pas parce qu'il n'y a pas de... Y a pas de... Bah si, normalement. Ours, t'es mineur? Non, je peux pas te... Sinon, ouais, ours est occupé. Toi, par contre, t'es agricultrice. J'avais dit de faire des patates. Il faut, vu ma population, il faut quand même vraiment que j'étende mes... possibilité de faire de la bouffe. Là j'ai quoi? J'ai des racines vie qui sont à 42%. J'aurais besoin de plus de riz. Les racines vie, franchement, ça va. Hop, vous allez me faire du riz. Et je vais faire une zone de patates en plus. Ici, bon, alors les patates bénéficient moins de des zones de bonne culture, donc c'est moins important de les mettre là et elles souffrent moins en contrepartie des zones où la culture est moins bonne. Donc je vais faire une zone de 8 par 8. Hop, vous suivez me faire de la patate. Bon, ça arrivera pas tout de suite, mais là ça va, j'ai un peu de stock, ouais, c'est comme pas mal de baies maintenant. C'est dans tout ce que j'ai récupéré dehors. Voilà. Tiens, en bois j'en suis où? Bon, ça va, qu'est-ce qu'il me faut en bois? Ouais, ça sera au niveau de mes artisans, j'aimerais bien que forgeron. Constructeur, Toshiro, chasseur, j'ai pas beaucoup. Toshiro, tu fais quoi là? R, Toshiro n'a rien à faire. Ah, mais j'en ai trop là! Les vagabonds qui désirent l'aumône. Ouf! Ah, ils sont à combien? Ah non, ils veulent des médocs. Off. Off, allez.
Je vais leur donner un Bouddha, c'est pas quoi faire. Animaux, agriculture, oui, c'est. Et bien, pourquoi est-ce que Bourdaf, tu ne fais pas ça? Température non défavorable. Non favorable. Température défavorable. Parce que je peux pas les faire pousser, parce qu'ils ont besoin qu'ils fassent meilleur. Et bien, tu vas me faire du riz, du coup, à la place. Hop. Non plus. Alors, pourquoi est-ce que là. Ah, c'est que là. Oh, je sais pas. Bon, et ben ce qu'on va faire, comme j'ai pas mal de monde pour me défendre au cas où. C'est peut-être une connerie. Je vais envoyer. Je vais péter mes castors. Oh, ça m'enquiquine. Ceux qui savent pas quoi faire, je vais vous faire mettre au minage. Zmeuil, tu seras pas content si tu mines, bah, je m'en fous. Nia. De toute façon, c'est déjà la merde. Mon moral. Comme ça, voilà, ceux qui savent pas quoi faire. Un place fond s'est fait effondrer. Merde. Bon, c'est bon. Hop. On va leur apporter Broudaf. Allez, donne des médocs. J'espère que je regrette pas parce que je vais me faire tataner sur moi, ça. 65. C'est pas ce qu'il y a de pire. Hop. Et voilà. Allez, les mendiants. On rend les gens contents. Donc là, ici, ça s'est effondré parce que bah, j'avais pas vraiment prévu le truc. Donc c'est pour ça qu'il faut parfois faire un peu gaffe. C'est bizarre que ça se soit effondré, ceci dit. Fonction de deux non pour vous. Ouais, je sais. Pourquoi est-ce que j'ai invité mes contents? Aïe. Girafe, pourquoi t'es pas content? Girafe. Un noir, pessimisme. Oui, mais forcément, t'es pas content. Mets-toi nudiste hein, si tu veux être nudiste. Non, je peux pas le modifier. PPPM. Est-ce que j'ai modifié là? Zikino. On a dit que. Ah oui, toi, t'es clairement un ouvrier, Zikino. En termes de vêtements, hein, je ne juge pas sur autre chose. Donc là, on va faire des patates. Elsie est en colère et elle casse tout. Trombos. Ah. Est-ce que je peux arriver? Allez. Est-ce que j'ai suffisamment de dressage? Parce que ça, pour le coup, les Trumbos, c'est top. 7. Non. C'est 7 mon meilleur en dressage. Dommage. Je ne récupère. Sinon, je peux les combattre. Si vraiment je m'ennuie. Ça ferait de la bouffe. Ils sont combien? Ils sont là, les Trumbos. Le problème, c'est que c'est très, très, très solide. Donc, c'est très dangereux comme bestiole. Est-ce que je peux essayer de les gérer? Je sais pas trop. J'ai plein de monde, c'est l'avantage. Ouais, j'ai plein de monde, mais. Allez, c'est la fête au village. C'est formidable. Allez, on finit par se taper dessus.
Ardarine, ours, Mangazor et Elsie qui font une crise en 2-2. Formidable. Oh, la quantité de picole que j'ai. Bah, du coup, maintenant, j'ai moins besoin de tous ces tonneaux. Carlettine a donné, mais fallait pas donner naissance. Désolé, Carlettine. Bon, ours, t'arrêtes d'insulter tout le monde. Boum, voilà. Allez, tapez au-dessus. Et maintenant, allez, vous soignez. Quand on n'est pas content, ça fait du bien. Onyx. Non, c'est Brodef. Hop là. Là, ça bosse. Intellectuel, c'est bien. Zikino. Et Toshiro. Commence à avoir des gens corrects. Mais du coup, le problème, c'est que j'ai toujours personne pour faire. Bon, il faut vraiment que je le fasse. Ardarine. Non, attends. On avait dit. Depuis le temps que je en parle, Jolie. Sociabilité, c'est vraiment catastrophique. Broudaf, t'as pas de rôle spécifique. Ardarine, drôle de noble. Broudaf, je vais en faire un technologiste, hein, c'est juste pas possible. Changement de rôle. Hop. Allez. Tout le monde se rassemble. Bon, et puis du coup, il faut que tu essaies de convertir parce que c'est quand même vraiment trop pourri. J'imagine qu'ils sont tous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme conviction? On ne peut pas le voir ici, il faut passer. 100%, 68%, ah, 66% pour Papillote. Hop, bon, ce sera Papillote. Donc, Broudaf, tu vas essayer de me convertir Papillote. Exasauce. 51, c'est pas ouf. Bah, vite sociabilité, c'est pas surprenant. Bien, pendant ce temps, je fais du calcaire, donc je peux. Eh, hey, mais j'ai une chambre en plus. Hop. Tac. Ça. Qu'est-ce que c'est que tu n'as pas copié? Ah, c'est que tu n'as pas le copier. Bon. Eh ben, tu ne vas pas le copier. Hop. Et puis, je vais autoriser ça aussi. Alors, pour résoudre mes problèmes de mauvaise humeur, je pourrais aussi dire que j'autorise drogue sociale, mais en fait juste la binouze. Modifier, pas le smoke-leaf. Donc ça c'est voilà, juste. Non, c'est même pas. Hop. Hop. Drogue sociale, c'est juste. Non, c'est une bière par jour. Je vais choisir une règle. Une boisson par jour. Voilà. Hop, tous les jours. Voilà.
Une bière. Tac. Donc c'est ça que je fais. Une boisson par jour. Et c'est tout. Tac. Voilà. Allez, ça résoudra peut-être certains problèmes de morale. J'ai peut-être une table qui est aussi un peu petite. Je pourrais peut-être l'agrandir un peu. Ah merde, ils se sont barrés, mais... Ah, chiotte. Du coup, ils étaient pas contents, ils sont partis. Protection des amis. Merde. Bon, bah j'aurais pas de mécanoïde. Par contre, j'ai toujours ma dinde qui attend les mécanoïdes de ma dinde qui attendent de venir. Fèche. Zikino, tu t'es mis là, du coup. Je veux plutôt que tu te mettes là. Le marbre, oui, j'ai toujours pas le... Du coup, tu vas le faire en calcaire. Hein. Qui est expiré l'offre de pourparler, je m'en cogne. Onyx et Brodav qui font un petit câlin avant de se lever. Câlin du matin. Ça fait toujours plaisir. Bon, bah, du coup, ça va de nouveau être pour les prisonniers, ça. Même si je n'en ai plus. Oui, une plus grande table. De toute façon, j'ai une pièce de vie qui est quand même pas ouf. L'idée, c'était quand même que j'arrive à développer un peu ça. Ça va se faire petit à petit. Allez, va picoler, tu seras plus content. Oh non, fais chier. Et ça se cogne. Bande de couillons. Bande de couillons. Je vais me faire un poste de recherche digne de ce nom. J'ai besoin de faire un poste de recherche digne de ce nom, puisque là je vais arriver à les bases de la microélectronique, et du coup il me faut un truc pour installer mes... comment, mes postes de recherche correct. Donc il faut que je prévoie ça. Je vais les faire. Qu'est-ce qu'il y a encore en papillote? Hop. Non, je veux pas. Tac. Toujours rien. Bah, ce sera toujours du calcaire. De toute façon, vu comme je suis parti, ça sera du calcaire. Donc, un poste de recherche que je vais faire. Alors, que je me plante pas, du coup, cette fois-ci, c'était, je crois que c'est du 6 par 6. Oui, donc je disais, là, j'ai pas prévu assez de place. 2, 4, 5, 6. Ouais, puisque là, en fait, tout mon... ma centrale géothermique, quand elle sera là, eh ben, c'est du 6 par 6. Donc, c'est du 8 par 8. Attends, je sais plus. Hop. Ça. Là, je suis en 6 par 6. Ouais, c'est ça. Donc, je vais me faire un centre de recherche, une zone de recherche ici, qui sera juste à côté. Du coup, ça me permettra de réchauffer
mes chercheurs en 8 par 8. Tac, voilà. Ça laisse un couloir de 2, c'est très bien. Comme j'aime bien les choses bien alignées. Tac. Je ferai là. Oui, en plus. Avec une porte en calcaire toujours. Une là, une là. Une là. Et une là. Quatre portes. Le sol, on va le laisser pour l'instant en smooth. On va planir le sol. Ce que l'on peut faire. Voilà. Et ensuite, il nous faudra de l'électricité. Hop. Tac, tac. Voilà. De la lumière. De la lumière, de la lumière. C'est dans l'immobilier. Tac. Ben, il faut d'abord que le mur soit construit, donc ça attendra. Voilà. Et ben, je vous propose d'arrêter cet épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez rejoindre l'aventure. Et on se retrouve très vite, je l'espère. À ciao, bye bye.